L'intérêt de l'homme pour la nature est très ancien. On pourrait citer pêle-mêle des philosophes, des écrivains, des penseurs, des poètes. Dans l'Antiquité, par exemple, Pline l'Ancien ou saint Augustin. Plus près de nous, Giordano Bruno, Campanella ou Ronsard. Et bien sûr, le XVIIIe siècle, qui fut une époque particulièrement significative, où Rousseau, en Suisse romande, fut l'un des chantres majeurs. Certains dysfonctionnements étaient bien sûr déjà dénoncés depuis l'Antiquité. Les pollutions urbaines ou les nuisances, comme le bruit et l'insalubrité dans les cités romaines, ou les embouteillages ou le smog dans les grandes villes européennes au XVIIIe, XIXe siècle. L'idée d'environnement est plus récente, par contre. Son émergence ne fut pas immédiate. On pourrait mettre en avant deux dates symboliques, 1872-1972. 1872, c'est le triomphe d'industries modernes. Parallèlement, une idée fait son chemin, celle de protection de la nature. Elle est symbolisée par la création du célèbre parc Yellowstone sur les territoires des Indiens Crow, qui est décrit comme une merveille de la nature. Et puis en parallèle, la naissance d'un ensemble d'associations pour conserver la faune et la flore sauvage, d'une part, les sites et les monuments, d'autre part. Parmi les plus prestigieux, on peut citer le Sierra Club ou le Dubon Society aux États-Unis, la National Trust en Grande-Bretagne et la Société zoologique d'acclimatation en France. En parallèle toujours, les jardins botaniques qui fleurissent en Suisse romande. 1972, c'est la première conférence internationale organisée par l'ONU qui se tient à Stockholm. Le document final en 26 points constitue une sorte de complément à la Déclaration des droits de l'homme. L'article 1er proclame « Tout homme a droit à un environnement de qualité et le devoir de le protéger pour les générations futures. » Entre-temps, donc un siècle durant lequel la Terre a connu le plus formidable développement économique et démographique, et surtout une exploitation acharnée des ressources matérielles et énergétiques. Dans la population, un sentiment se propage, du moins dans les mieux informés, ne va-t-on pas trop loin? Ce sentiment sera largement partagé par le grand public à l'occasion de plusieurs événements que commencent à populariser les médias. Citons quelques dates. 1962, Printemps silencieux, le livre de Rachel Carson, un biologiste, qui trace un sombre tableau d'environnement gravement pollué à l'époque par un produit chimique, le DDT. 1967, la célèbre marée noire d'un super pétrolier, le Torrey Canyon, sur les côtes anglaises qui va infester, disons, la Bretagne. 1965-1968, l'émergence progressive de ce qui deviendra le scandale de Minamata, qui date en réalité de 1953, qui est un scandale lié aux productions liées au mercure, qui va bien sûr être pris par les poissons et qui va ensuite contaminer les pêcheurs. C'est dans ce contexte que, en tant que professeur de biologie à l'époque, en France, je vais introduire dans les cours, sans tenir compte des programmes, ce qui va me faire quelques problèmes, des différents thèmes d'environnement comme le tri des déchets, l'épuisement des ressources, les grandes pollutions planétaires, la déforestation qu'on appelait à l'époque les pluies acides, la réduction de la biodiversité qu'on appelait à l'époque les disparitions des espèces, et puis les mauvaises qualités de l'eau et de l'air, et surtout le danger nucléaire. L'idée d'environnement sera renforcée dès 1973 avec le choc pétrolier, premier choc pétrolier qui entraîne une prise de conscience du gaspillage. À la même année, plusieurs textes vont jouer un rôle important, notamment le rapport Halte à la croissance du Club de Rome, qui met en avant bien sûr la croissance zéro, croissance toujours pas prise en compte aujourd'hui. Et puis la même année encore, donc, l'essai de l'américain Schumacher, Small et Beautiful, qui apporte une nouvelle vision du monde. On va mettre l'accent sur le petit et plus toujours sur le grand. On arrive à 1974, où l'UNESCO, en relation avec le PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, va tenter d'impulser, de faire naître, d'impulser cette éducation relative à l'environnement. Le point de départ officiel, c'est la conférence de Belgrade, 1975. La France doit bien sûr être représentée, comme toutes les conférences de l'UNESCO. Malheureusement, le ministre de l'époque, les grands chefs d'administration ne comprennent pas son intérêt et on va chercher de partout un représentant. Alors, comme je m'étais fait repérer dans mes classes pour développer des questions d'environnement, on va me proposer d'être le représentant français à cette conférence internationale.
Et cette conférence va développer les objectifs des questions relatives à l'environnement, comme le disait à l'époque, qui était de former une population mondiale consciente, préoccupée de l'environnement et des problèmes qui s'y rattachent. Une population qui ait connaissance, qui ait des compétences, qui ait l'état d'esprit, les motivations et le sens d'engagement, et permettre de travailler individuellement et collectivement, résoudre les problèmes actuels et empêcher qu'ils en posent de nouveaux. C'est la charte de Belgrade. C'est une charte dans laquelle je suis pas mal intervenu, dans la mesure où on mettait trop l'accent à l'époque sur les connaissances, et j'ai essayé d'introduire les compétences et surtout l'état d'esprit. L'INOSCO, justement, me repère pour ces idées un petit peu innovantes, à la fois sur le plan théorique et sur le plan pratique, et me propose de diriger la première recherche pilote dans les écoles. C'est la recherche INRP, Institut National de Recherche Pédagogique, UNESCO-PNUE, qui est une grande entreprise d'éducation, puisqu'elle concernait 2000 élèves de 25 écoles primaires et secondaires. Cette étude, qui a duré 4 ans, sur 30 thèmes différents, vont développer toute une série de points pédagogiques qui sont encore très présents aujourd'hui, comme par exemple partir des problèmes vécus par l'apprenant. Aménagement d'espace, pollution, nuisance. On va développer ce qui était nouveau à l'époque, des investigations, telles que les enquêtes, les premières analyses systémiques et des simulations. Et en même temps, ces projets développés n'étaient plus simplement des projets académiques, puisqu'ils débouchaient sur des activités concrètes, des expositions pour informer les autres élèves ou les parents, des interventions, alors ça c'était vraiment nouveau, auprès des autorités locales, la réalisation de matériel à partir de produits de récupération, et surtout encore plus nouveau et qui posait quelques problèmes, des contre-projets, notamment un contre-projet d'autoroute ou un contre-projet d'aménagement d'un espace par une municipalité. Les résultats de cette première recherche seront publiés dans une première collection de documents pour la formation des enseignants. Elle s'appelle « Série documentation environnementale », dont on a fait un grand nombre de numéros qui ont été réalisés ensuite en relation avec un spécialiste d'écologie qui était Christian Souchon. On arrive en 1977, la conférence intergouvernementale de Tbilissi, dans le prolongement de Belgrade. Cette conférence, j'interviens en participant à la délégation française, mais surtout, l'UNESCO me confie ensuite en aigre de rédiger le rapport des conclusions. Cette conférence va être suivie pendant 10 ans de toute une série de conférences régionales, dont la conférence d'Helsinki en Europe, et puis on finit évidemment par la conférence intergouvernementale de Moscou, 1987, 10 ans plus tard. Et pour tous ces documents, comme j'étais une des rares personnes à l'époque qui se motivait sur les questions d'environnement, on m'a confié la rédaction des textes. Parallèlement, en France, j'ai eu la chance aussi d'être consultant pour la première exposition portant sur l'environnement au centre Georges Pompidou, qu'on appelle Beaubourg. 1981, je suis nommé professeur à l'Université de Genève et je fonde le laboratoire didactique et épistémologique des sciences. Et dans ce cadre, en 1982, je montre le premier cours en Europe de formation d'éducation à l'environnement. Toujours dans ce cadre, plusieurs thèses vont être passées, dont celle de Francine Pelot, qui va ensuite être mon assistante et qui va m'accompagner pour développer beaucoup de travaux en liaison avec l'éducation à l'environnement. C'est aussi dans ce cadre que va être organisée la première conférence européenne d'éducation à l'environnement, ainsi que plusieurs colloques. Toujours dans ce cadre, une autre recherche avec une autre assistante, Denise Adler, qui s'appelle la recherche GERIRAD, qu'on a montée en relation avec les universités de Caen, d'Amsterdam et de Kiel, sur les problèmes de communication liés à la catastrophe de Tchernobyl. Ces recherches déboucheront sur des outils pour apprendre l'éducation à l'environnement. Certains sont bien connus aujourd'hui, comme l'analyse systémique, la pragmatique, la modélisation ou la qualification des valeurs, qui vont être diffusées par deux bouquins qui s'appellent « Éducation pour l'environnement à l'époque », développés chez Edition. L'idée de le monde durable est plus récente. Elle a été consacrée par 182 États lors de la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement à Rio de Janeiro en 1992, encore appelée « Sommet de la planète Terre ». C'est l'agenda 21. Mais cette idée vient d'un rapport qui avait été écrit par un premier ministre norvégien, Madame Brundtland, appelé l'avenir à tous, rédigé en 1987. C'est ce texte qui a servi de base à cette discussion au sommet de Rio. Ce texte mettait en avant trois composantes
plus simplement l'environnement, souvent encore pensé sous l'angle naturel, mais les sciences humaines à travers la société et l'économie. À ces trois composantes, par la suite, avec Francine Pelot, nous avons rajouté une quatrième composante qui était l'éthique. Ce sommet de Rio, justement, mettait en avant le développement durable, qu'on appelait en anglais « sustainable development », qu'on a traduit justement par ce terme « développement durable » qui est peut-être pas bien choisi. C'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. C'était une demande aussi des pays en voie de développement qui souhaitaient avoir un développement et non pas simplement être protégés de toute évolution. Cette idée de développement durable va s'installer médiatiquement encore plus fortement lors d'une décennie, 2005-2014, développée toujours par les Nations Unies par le biais de l'UNESCO, qui était considérée comme l'agence leader. Ceci nous a conduit à repenser évidemment les questions éducatives, notamment repenser les objectifs, refonder les stratégies pédagogiques et surtout travailler aussi sur les sous-bassements de la pensée, ceux sur lesquels on s'interroge peu et qui parfois créent des problèmes, ce qu'on appelle dans le jargon les paradigmes. Repenser les objectifs, ça veut dire ne plus rester simplement à l'idée d'environnement sous le terme de nature au sens large, mais introduire des questions de société, des questions économiques et des questions de culture. Ça impliquait évidemment de revisiter la maîtrise d'information, ça impliquait d'introduire plus fortement l'analyse systémique et la pragmatique, et d'accompagner l'ensemble par la question des valeurs, puisqu'en matière de monde durable, il y a des questions de choix à faire, ce qui implique évidemment des valeurs derrière, à quoi je tiens vraiment. Ceci nous a conduit bien sûr à développer l'analyse systémique en travaillant sur des questions très concrètes, comme en Guadeloupe, la question du chlordécone qui était utilisé sur les bananes, bananeraies, polluant qui ensuite va infester évidemment les mers proches et les poissons, les crustacés, et introduire des difficultés auprès des populations locales. Mais c'était aussi l'occasion de travailler à l'époque sur la vache folle, se poser la question comment se fait-il ces vaches étaient obligées de manger des nourritures carnées. Et en travaillant sur les systémiques, on voyait comment était organisé le système économique pour comprendre comment les agriculteurs étaient conduits à utiliser ces fourrages super, virtuels, disons-nous. Bien, ça nous a amené aussi à développer la pragmatique qui est non pas simplement la résolution des problèmes, mais surtout arriver à poser les problèmes. Ensuite, à partir des problèmes posés, essayer de trouver des solutions. Malheureusement, les solutions en matière d'environnement n'existent pas. Il faut penser plutôt optimum, solutions alternatives, et les mettre en scène, les mettre concrètement sur le terrain, ce qui impliquait de faire une étude du changement. Beaucoup de sujets ont été utilisés à l'époque, dont certains sont restés célèbres, comme le travail que nous avons fait sur le jus d'orange, où on essaie de voir un petit peu à travers les systémiques qui devenait un éco-bilan, de voir les conséquences de ce beau geste convivial quand on offre un jus d'orange, quand on reçoit quelqu'un. Ce beau geste conduit évidemment à des inconvénients, puisque le jus d'orange n'est pas fabriqué en Europe, il vient du Mexique ou du Brésil. Les oranges sont pressées là-bas, elles sont concentrées, transportées, ensuite rediluées ici en Europe, et ensuite, il faut les mettre en place dans des supermarchés. Ce qui entraîne évidemment, pour un seul litre de jus d'orange, des pollutions de 2 litres d'eau ou des pollutions en matière de matière ou d'espace. C'est le même travail qu'on avait fait aussi sur la récupération d'aluminium, qui était quelque chose qui était mis en pointe à l'époque sur les canettes d'aluminium. Bien sûr, la récupération d'aluminium diminuait les dépenses énergétiques, évitait l'épuisement des matières et les mines de bauxite, mais malgré tout, continuer à avoir des problèmes au niveau des décharges, puisqu'on n'arrivait pas à tout recycler. Le recyclage était important, mais l'industrie ne pouvait pas suivre derrière, ce qui amenait des pollutions en Afrique, et aussi des effets sur la santé, puisque la récupération d'aluminium dégage malgré tout des dioxines et des métaux lourds. À travers cette refondation des stratégies pédagogiques, il fallait sortir évidemment des éco-gestes. Il ne suffisait pas d'éteindre la lumière, d'apprendre aux élèves à couper l'eau quand ils se lavaient les dents ou de trier simplement les déchets, mais c'était de comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière. Et pour cela, on a monté des projets, des défis. On a fait une pédagogie qui prenait en compte les conceptions des élèves pour tenter de les transformer.
Et là, ça nous a conduit à dépasser le constructivisme pour aller vers une pédagogie qu'on appelle désormais allostérique. Ça nous a amené, bien sûr, à développer l'interdisciplinarité, mais plutôt aller vers la transdisciplinarité, c'est-à-dire de mettre les disciplines au service des projets, d'essayer de déboucher sur des actions, non pas simplement des choses académiques, mais des actions concrètes éventuellement sur le terrain, de travailler évidemment sur les valeurs et de travailler évidemment sur tout ce qui est derrière ces sujets. Et là, ça nous a conduit progressivement à travailler ce qu'on appelle les paradigmes, c'est-à-dire nous interroger sur nos évidences ou débusquer les raisonnements intimes. 1 + 1 ne fait pas toujours 2 en matière d'environnement. Ça peut faire plus 100 000 si les gens s'associent pour faire des actions positives ou moins 10 000 si les gens sont en conflit. Ça nous a amené évidemment à repenser l'idée qui sont aujourd'hui des idées évidentes parce qu'on passait l'époque, s'il y avait un gagnant, il y avait forcément un perdant. Or, maintenant, on sait qu'on peut être gagnant-gagnant. Ça nous a amené évidemment à penser aussi que le bon et le mauvais ne s'opposaient pas forcément. Les élèves me demandaient est-ce que l'ozone est bon. Tout dépendait évidemment de son usage et de son implantation. En haute atmosphère, l'ozone est très bon puisqu'il arrose les rayons ultraviolets. En basse atmosphère, c'est un hyperoxydant, donc c'est mauvais pour les poumons. Donc ça nous a amené constamment à nous interroger sur la solution pour passer plutôt vers l'idée d'optimum ou éventuellement nous interroger sur l'idée d'indicateur de richesse. Puisque on sait très bien qu'aujourd'hui, tout ce qui est santé où tout ce qui est bonheur n'est pas pris en compte dans le PIB. Ainsi, il ne suffisait plus de rester au tri des déchets, mais d'essayer d'aller derrière les mots. Le tri des déchets, c'était aussi un beau geste éventuellement pour démarrer et motiver les élèves, mais il était intéressant de voir qu'est-ce qu'il y avait derrière les déchets. Or, on s'aperçoit aujourd'hui que les déchets, c'est une mine de richesse, puisqu'on sait très bien qu'une tonne de téléphones mobiles contiennent 3,5 kg d'argent, 340 grammes d'or, 140 grammes de palladium, 130 kg de cuivre, ce qui fait une valeur estimée combinée de 10 000 euros ou 12 000 francs suisses. Mais en même temps, il était aussi intéressant de voir que les déchets sont là pour des raisons économiques, pour des raisons de consommation. Qu'est-ce qu'on peut faire, évidemment, pour les éviter? Et là, ça conduit à avoir des réflexions sur éventuellement le partage des biens ou éventuellement une économie solidaire. En résumé, on voit que l'éducation en développement durable permet d'appréhender la complexité du monde dans ses différentes dimensions, scientifiques bien sûr, mais aussi éthiques ou citoyennes. Et surtout, ça impliquait de comprendre les enjeux à travers un moyen de devenir un citoyen responsable. Et là, aujourd'hui, on est dans une nouvelle dynamique qui peut être intéressante, que les Nations Unies ont encore mis en avant, puisqu'ils ont pensé, après l'agenda 21, de développer l'agenda 2030.